bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de South Park, la nalle du destin. Nous en sommes à l'épisode 24. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici et comme chaque épisode on va changer de costume. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Oh là là, je sais déjà les gars, veuillez m'excuser, mais Mister B-Boy, mais pourquoi as-tu disparu sur ta chaîne principale? Non, je n'ai évidemment pas disparu et sachez que je prépare de très très grosses séries et je ne vous mens pas, j'ai 4 séries en cours de préparation, dont 2 qui vont arriver très 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 bientôt, à la fin de ce let's play d'ailleurs, sur la chaîne principale. Et puis si vraiment je vous manque, si vraiment vous vous dites bah B-Boy, nous on veut le B-Boy sur YouTube, on veut pas spécialement le B-Boy en live, sachez que j'ai ma chaîne secondaire Mister B-Boy 45 en live, qui diffuse les meilleurs VOD de ce qui se passe en live, encore une fois, sur ma chaîne Twitch. Et je l'appelle, vous savez quoi, j'aime pas l'appeler chaîne secondaire, parce que croyez-moi que cette chaîne Mister B-Boy 45 en live, sans vouloir me balancer des popcorn, bien évidemment, croyez-moi que cette chaîne vaut le coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a une vidéo par jour, et en plus de cela, il y a une vidéo par jour sur des jeux à chaque fois différents, donc c'est plutôt incroyable. Je suis toujours dans le YouTube game, ne vous en faites pas, et cette chaîne principale, je la mets plus pour des vidéos exclusives que vous n'aurez pas vues ailleurs, alors que Mister B-Boy 45 en live, c'est les vidéos que vous avez déjà vues en live pour ceux qui êtes là. Et d'ailleurs, justement, je voulais vous parler de ces mêmes lives. Ce que je vis depuis mi-décembre est juste incroyable, c'est phénoménal. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est juste fou. On monte dans le stream game à une vitesse subliminal, vous êtes juste dingue, je vous aime vraiment infiniment. Ne vous inquiétez pas, je ne deviens pas plus streamer que youtubeur. Je suis autant streamer que youtubeur et je suis en live tous les soirs d'ailleurs à 19h. N'hésitez pas à venir, mais merci à vous, c'est juste fou. Ah seigneur, encore combien de temps là? Toujours dans les 6h. Putain de sa mère. Tu sais petit, il te reste encore à savoir maîtriser le temps en libérant le plein potentiel de ton cul. Quelque chose capable d'exacerber ton don pour, disons, faire défiler le temps plus vite. Tu vois ce ventilateur là-bas? Juste là, derrière toi, près du portail, à gauche, tu ne peux pas le rater. En pétant dans ce ventilo, l'oscillation du gaz filtrera à travers le détendeur, le mélangeant au réfrigérant sous pression à l'intérieur des bobines du condensateur. Ne te demande pas si c'est logique. Pète dans le ventilo, c'est tout. Je vais te l'allumer. Totalement illogique, bien évidemment. Ok, permute, l'heure, jour et nuit, on est parti. C'est très très long à permuter. Oh putain, mec! Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache! Ça pue la viande pourrie ici! Il fait nuit là maintenant, on se regroupe! Bonjour, on est là pour la visite! Ah oui, venez! Ok, on est donc parti direction le plus haut manoir de la plus haute vallée, de la plus haute montagne, de la plus haute tour du grand méchant. Ah d'accord, putain merde, je me suis totalement perdu à droite. On est reparti sur le bon chemin. Oh, des jeunes gens qui s'intéressent au génie génétique, hein? C'est merveilleux, entrez donc. Oh, bonjour. Oh, il y en a d'autres? Bonjour, monsieur. Mais dites-moi, vous êtes nombreux? Timmy! Eh bien, je suis si heureux de voir autant d'enfants s'intéresser au génie génétique. La science génétique est née d'une simple question. Un singe peut-il vivre avec 4 derrière au lieu d'un? Et la réponse fut oui. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de greffer plusieurs derrières à toutes sortes d'animaux. Des cochons, des chevaux... Oui, dis-moi. À quoi ça nous aide? Oh, toi, tu es cynique, hein? Eh bien, venez me rejoindre ici pour la visite. Je vais vous montrer. Allez, ne soyez pas timide. Il ne faut surtout pas manquer le repas du gorille à 4 culs. Ok, c'est clairement du Jurassic Park, les gars. Jusqu'ici, on va essayer de parler un petit peu. Tu as rempli les formulaires de décharge, pas vrai? Ouais... Ne t'en fais pas, c'est un laboratoire de premier ordre. Tout est sécurisé. Ouais, donc tu sais déjà que ça va partir en couille? Ça fait plaisir de voir des jeunes s'intéresser à la science. Ouais, ouais, enfin la greffe de cul supplémentaire. Ne touche à rien, compris? Sur des animaux, c'est pas ouf. Et ça, un mandril, mais avec un arc-en-ciel de cul. C'est faisable, ça? Ok. Pour être honnête, certains des cobayes me font flipper. Ah, oh, vous croyez qu'on va se battre contre des cobayes? Ah, ça peut le faire, en vrai. Pourquoi est-ce qu'il organise des visites?
D'accord. Vous avez déjà vu une chaîne de nucléotides aussi belle? Ok, donc c'est l'arrière-train de... Et ça, un mandril, mais avec un arc-en-ciel de cul. C'est faisable, ça? Ok, bon, y a pas de selfie à faire. Je voulais voir s'il y avait des selfies. Asseyez-vous, je vous prie. Tu as déjà joué à Half-Life? Bon, on y va. Aïe, le clin d'œil! Bien joué, ça! Ici, vous pouvez voir notre serre. Le génie génétique nous permet de faire pousser des oignons, des tomates, des concombres plus gros, des fruits et légumes avec plus de cul. C'est aussi plus de nourriture pour toute la planète. En quoi c'est utile? Oh, les intégristes bibliques, tous les mêmes. Ne vous prenez pas pour Dieu ou vous le paierez cher. Ah, passons au premier étage, voulez-vous? L'autre avantage du génie génétique, bien sûr, c'est la combinaison d'animaux. Voyez ces singes, ces lapins poissons, ces anécureuils et autres. Une fois dotés de culs supplémentaires, ils feront avancer la science. Voulez-vous m'expliquer en quoi cela fait progresser la science, hein? Comment t'appelles-tu, mon garçon? Super Craig. Tu vois, Super Craig, une fois qu'on saura comment modifier les animaux, peut-être qu'on pourra l'appliquer aux êtres humains. Tu penses qu'il est impossible d'avoir plusieurs culs? Je suis convaincu du contraire. Tu comprends, le génie génétique n'est pas réservé qu'aux animaux et aux légumes. Nous aspirons aussi à aider les gens. Ici, vous pouvez voir certaines mutations génétiques appliquées au cadavre de mon fils. Peu de gens se souviennent que j'ai eu un enfant du nom de Terence. Oh ouais, je me rappelle de lui. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Terence connut une fin tragique en ville, alors que des gamins jouaient avec une relique appartenant à Barbara Streisand. Oh mince, je crois que c'était nous. Alors, vous faites tout ça pour amener votre fils à la vie? Le ramener à la vie? Oh non, j'essaie juste de greffer plus de cul sur son cadavre pour qu'il puisse enfin reposer en paix. Bien, direction le troisième étage. Ah, putain. Bien, nous y voilà. Le dernier étage du bâtiment est la fin de notre petite visite. C'est quoi ça? Ça, d'ignobles aberrations de la science. Notre nouveau bienfaiteur nous a demandé de modifier génétiquement quelques sixièmes autochtones pour les rendre plus forts et plus déments. Ok, c'est bon là. Pourquoi faire ce genre de putain d'expérience? Comment tu veux dire? À quoi bon produire des sixièmes génétiquement modifiés? Du calme, Super Craig! Comment croyez-vous que l'on paie tout cela? On a des bailleurs de fonds. Notre dernier bienfaiteur a réclamé cette armée de sixièmes mutants pour protéger ses chats modifiés. Quel chat modifié? Oh, par là. Un riche bienfaiteur nommé Monsieur Connor a fait un don pour doter les chats errants de plus de culs. Notre entreprise peut greffer des culs à des prix très compétitifs. Le problème, c'est que les chats semblent devenir vraiment agressifs après l'opération. Ils vont même jusqu'à tuer. Alors pourquoi faire monter un groupe d'enfants jusqu'ici? Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce complexe est équipé d'un réseau de sécurité ultra sophistiqué. Oh, ça n'était jamais arrivé avant. Oh merde, quelqu'un a désactivé la matrice de sécurité. Ça veut dire quoi? Bonjour, les potes de la liberté. Qu'est-ce que tu fais, gros cul? Alors, les potes de la liberté, on voit clair dans mon petit jeu? Vous croyez pouvoir m'arrêter? Ah, j'ai ici quelqu'un qui aimerait dire bonjour, le nouveau. Vas-y, pas. Les gars, c'est moi, le cool. Tu vas arrêter, oui? Écoutez-moi, ne passez aucun accord avec cette ordure. C'est un animal. Ah! J'en ai assez de toi, Coon. T'as été une véritable épine dans le pied, le nouveau. T'aurais pas dû te mettre en travers du chemin de Mitch Connor. Mais t'es qui, bordel? Monsieur Connor, en désactivant la matrice de sécurité, vous condamnez tout le monde à mourir. Quoi? Désolé, Doc. Il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de la cité. Adieu, les potes de la liberté. Ok, on est parti. On va se battre contre plein de culs de chats, si je puis me permettre, ou plein de chats avec des culs. Je ne sais pas exactement comment le dire. C'est parti, vas-y. Bon, bah fais-moi un. Désolé, j'entends mon rap. Waouh! Je l'avais pas vu, je me fais déjà attaquer. Très bien. Attention à leur griffe et à leur cul. Ok, alors il y a des sortes de. Je crois que c'est des trucs de pisse. Ça, ça me paraît pas mal. On va essayer. C'est même plutôt cool. C'est même bien passé. Et c'est buggé. C'est totalement buggé. Je ne peux rien faire. Allô, Naruto, faut te bouger, gros. Je peux rien faire, c'est totalement buggé. Allez, bon, ça a été plus vite, ça a été limite plus vite que prévu, là, je ne sais pas pourquoi. Je suis fort étonné si je puis me permettre. Oh là là, ça serait beau jeu, ça. Ça serait beau jeu, mais ça ferait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Donc je pense qu'il serait peut-être mieux de faire ceci. Et en plus de
le congeler. C'est plutôt nickel, je ne sais pas pourquoi ça a été beaucoup plus rapide là. Mais ne vous inquiétez pas, dès que ça sera de toute façon le chat noir. Voilà, on est parti. C'est parti pour de l'attente, ça bug. Il ne joue pas. C'est normal, bienvenue dans un jeu Ubisoft South Park, la nalle du destin. Voilà pourquoi j'ai mis, il m'a fallu 2 jours de plus pour vous sortir cet épisode. Déjà que l'attente était longue. C'est horrible. Ok, et encore c'est plus rapide. Hé, laisse-le tranquille. C'est plus rapide, désolé, j'avais carrément lâché la manette, c'était tellement long. Oh là là, l'enfer. Bon bah voilà. Prépare-toi à mourir. Ah, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Je peux faire ça, ça me paraît pas mal. Ça me paraît un bon coup, je passe à travers tout le monde. Bien. Ah non. Ah non, mais faut pas sa place. Aïe aïe aïe, le dégoût. Le dégoût qui touche le joueur australien. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ok, avec Monsieur Tupperware, va falloir que je me décroche un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? J'ai ma petite idée, on va mettre ça ici. C'est bon, ça a l'air de moins bugger, les gars. Ça a l'air beaucoup plus jouable. Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est juste rien passé d'ailleurs. Allez, ça c'est fait. Incroyable, on va peut-être survivre. Ah bah j'espère bien. Déjà survivre au bug d'Ubisoft, ça serait plutôt cool. Ok, donc lui il est congelé, il peut pas jouer. Saignement. Curieux. Ça l'a tué. J'ai appuyé 3 fois sur ce bouton pour 3 résultats différents. Il est lourd. Aïe. Merde. Oh, Mysterion est mort. Ok, un petit peu terrible cette histoire. Je vais essayer de faire revivre Mysterion dès que je peux. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être ma petite idée. Peut-être ma petite idée. En touchant ces deux-là, c'est plutôt cool. Le poing du dragon avec recul en plus. Oh mais non, mais j'en tue 2. Et j'ai mis le boss des chats. Une démarche scientifique. Aïe. Aïe. Oups. Oh mais il y a un gros chat encore. Putain, mais il a 3 fesses celui-là. Bon, ceux qui ont 3 fesses, ils sont terribles. Attends, je crois que je suis prêt. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça? Non, ça sert pas à grand-chose. Ah, je sais pas trop. Non, j'ai ma petite idée les gars. Et ma petite idée étant incroyable, elle va être de se mettre ici. Ah, je peux pas soigner, ça sert à rien. Là, ça sert à rien, attendez. Terrible cette histoire. Terrible, je ne peux donc rien faire. Je suppose que vous êtes à jour de vos vaccins d'été polio. Il faudrait que j'ai des exiges pour la visite. On sera pas touché par la caisse du rein si jamais ça pète. Oh, c'est compliqué cette histoire. Il peut avoir Mysterion quoi. Oh non, ça bug. Allez, faites vite, les gars, s'il vous plaît. Je crois honnête d'indiquer que mes cobayes ont un goût prononcé quoi pour la chair humaine. Quoi? Attaque boostée plus bouclier. Oh là là. L'enfer du type. C'est bon, ça touche personne. C'est totalement à chier. Ah non, d'accord, pardon. Très bien. Il est mort. Il est totalement... Putain, des coups plus chauds. Un autre cobaye mutant imminent. Quoi? Ok, attention, c'est rien. Ce que je vois ne me rassure pas du tout. Mais ils ont des attaques, je c'est terrible. Je crois que ces vilains vont goûter à la puissance du Super Mega Mark 3. Ok, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Est-ce que par hasard on peut faire ça? Ça peut être plutôt cool. Ah non, c'est pour me TP. Aïe 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 aïe, c'est compliqué tout ça. Par contre, si je fais mon outil, non, c'est pas un bon truc à faire. J'ai rien à faire. On va passer son tour ici. Ok, tu vas t'en prendre à qui ton personne, très bien. Oh bah voilà, bah il prend ce qu'il mérite. Il prend clairement ce qui lui est dû. Bon, faut que je tue le healer derrière et là ça risque d'être assez compliqué. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça, et ça, c'est cool. Waouh! Oh, quel ulti incroyable! Ok. Je n'aurais jamais dû appuyer sur ce bouton. Compliqué, cette histoire. Compliqué. Là, j'ai 2 chats. Là, j'en ai 3. C'est ces 2-là qui m'intéressent. Ou alors je me mets ici et je fais ça. Et ça, c'est pas mal du tout. Oh là, ça c'est beau jeu, ça. J'en ai 3 comme ça. Ça, c'est très beau jeu. Bien joué, Mister B-Boy. Oh, c'est bon, je suis rassuré. Putain, ce bug. Il m'avait mis mal pendant au moins 2 jours. Ça me rendait ouf. J'en avais parlé en live, justement. Et bon, bah là, il est toujours là. Mais tempête, on se renverser devant elle. Et quel plaisir que ce soit enfin. Je vais peut-être pas dire pareil parce que c'est pas encore le cas, vraiment. Mais bon. Ok, lui, on va l'électrocuter. Ça, c'est fait, ça dégage. C'est un cadeau qui t'électrocute sans arrêt. Oubliez pas que ce gros chat il soigne, hein. Il est assez terrible. Ok, t'as pris ce que tu méritais, c'est bon, tu vas te calmer. Ok, il sert donc juste à soigner. Ça c'est pas mal. Attention, avec un coup critique en plus. Aïe aïe aïe. C'est très beau jeu ça. 14 HP, hein. C'est terrible, y'en a pas un qui veut mourir. Quoi? Ces chats sont fous. Laissez passer Mysterio. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Allez, c'est terminé pour toi. Ça dégage.
Je l'ai attiré vers mon pote. Non, ah, c'est bien de mettre Mysterion. Peut-être en enfonçant les boutons au hasard. Mais qu'il est lourd, lui. Ok, il a l'air tout seul. What? Oh zut. Bah, on en rigolera bien si on survit. Ce qui ne risque pas d'arriver. Qu'il est lourd. Aïe aïe aïe. Ouais. Bah les gars, je vous propose peut-être ceci. Si je puis me permettre de vous proposer quelque chose, ça touchera quasi tout le monde et c'est plutôt cool. Allez, vas-y, c'est parti. Recule, ça va bouffer clairement l'arrière. Oh, c'est le drame. Attends. Lui, c'est les heals, on va l'annuler. Au moins, ça c'est fait. Oh, Dieu merci. Il y a moyen que je meurs, les gars, par contre. Ça arrive, c'est terrible. Ce qui, ce qui va m'arriver, ok. Ça, c'est pas mal, Choco 3 chats. Pas mal du tout. Oh là là, là je suis dans une putain de bonne position, en fait. C'est très très cool. Qu'est-ce qu'il fait? Je prends, c'est pas grave, c'est du dégoût. C'est chiant, mais ça arrive. Le choc les a tués. À lui de jouer, le choc va le tuer, le saignement aussi. Waouh! Putain, mais quand il s'acharne, il s'acharne. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Je peux mettre une tour ici, ça peut être pas mal. Je pense pas que le choix soit dégueulasse. Comme ça, la tour va s'occuper du gros. Aucun souci. Non! Oh, c'est terrible! Ok, c'est bon, j'ai récupéré 25 quand même. Bon, j'ai un double dégoût, les gars. De toute façon, est-ce que je pourrais être dans une pire situation? Oh, j'ai oublié, lui il est terrible. Lui il est terrible. C'est à moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, ça dégage. Le healer, on l'arrache. On n'en parle plus. Oh ouais, il se pourrait que ça ait foutu l'autre générateur en l'air. Je peux faire ça. Ça, c'est un joli coup parce que les deux sont morts. Allez, terminé. On n'en parle plus de ce combat. Ça dégage. Bien joué. C'est une balafre de gagner un bocal. On a réussi ce combat buggé. Oh, quel plaisir, les mecs. Pauvre créature. Il faut sortir du labo. Peut-être qu'en passant par les grandes présentations. Par ici, les enfants. Non. Ok, je vais me permettre d'enregistrer, les gars, parce que là, on est dans une situation où on n'a pas trop le choix. Peut-être en enfonçant les boutons au hasard. Vous savez que, les on gars, est tellement foutu. C'est j'ai juste jamais de bol. Des sixièmes mutants lâchés dans la nature, cela n'était pas censé se produire. Je me tape les pires bugs de chaque jeu, c'est horrible, vraiment. J'en ai marre, les gars. Oh mon Dieu! Ça va aller, on sera en sécurité dans le tram. Oh, le tram n'a plus de jus. Il va falloir atteindre la centrale et activer la commande manuelle. Où se trouve la centrale? En bas, au deuxième étage. Oh, c'est idiot de l'avoir mis à cet endroit, hein. Donc quelqu'un doit descendre au deuxième étage et activer l'interrupteur? 1, 2, 3, pas toi! Pas toi! Désolé le nouveau, mais ce sera forcément toi au final. Ouais, en y réfléchissant, tout ça, c'est de ta faute. Ah! Ah d'accord, il n'y a plus d'amitié. Rejoins le troisième niveau et active les commandes du tram. Ah bah ça fait mal, hein, ça fait mal, hein. J'ai donc perdu tous mes amis. Bon, on va y aller, les gars. L'école, c'est nul. Ah, sixième. Quoi? Ok, on va récupérer tout ça. Donc ça, ça va être un boss. Ah Encore un coup de Trafalgar. Voilà quelque chose. Oh, recette. Vervide hypnotiseur. Voilà quelque chose de bien intéressant. C'est des fesses. S'il y a d'entreposer ici. Ici. Ok. On a pas mal. On va pouvoir envoyer le hamster. Je pense que ça va d'office ouvrir. Ah ouais. Par contre, comment faire en fait? Ok, bougez pas. Bougez pas, je m'en occupe. Je m'en occupe totalement. Ah! C'est compliqué cette histoire. Mais non, mais juste la sableuse pour pousser le. Parce que c'est quand même un fluide. D'accord, ok. Fallait juste faire ça. Fallait juste analyser le fluide. Très bien, je vais focus ailleurs. Mais pas du tout. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. On s'en débarrasse, ça dégage. Carrément. Allez, bah oui, carrément, pote. Allez, casse-toi maintenant. Casse-toi, une fois que tu m'as lâché. J'ai placé les escaliers derrière ce portail. Mais pour l'ouvrir, il faut l'alimenter. L'intérêt des escaliers, c'est qu'ils ne requièrent pas d'électricité. Trouve le moyen d'alimenter ce générateur, ça devrait ouvrir l'accès aux escaliers. D'accord. J'entends bien. On va appeler là le frérot. K.O. Donc il va envoyer son hamster. Par ici, petit mignon. On y est. On va charger. Oh, wow. Ok. Alors là, attendez. Bye bye. Là, c'est le début seulement. Là, je peux passer à travers. Ok. On peut faire ça.
On peut faire ça. Normalement, je ne meurs pas. Oh, oh, abuse pas, abuse pas. Yes, c'est bon ça. Ok, on a notre générateur. Voilà. C'est plutôt cool. On va pouvoir le pousser. Mais avant cela, il va falloir pousser, grâce à ma super force, ce gros tonneau. Bon, là, c'est vraiment histoire d'utiliser tout le monde. Vas-y, régale-moi. J'espère juste qu'il n'y a pas si sale comme ça, parce que ça reste quand même assez chiant. Et South Park, l'énigme n'est pas incroyable non plus. Ma mission est terminée, maintenant je dois partir. Ok. Ça, ça marche toujours pas. On est d'accord. Ça, je pense qu'il faut le récupérer, ça serait cool. Et j'ai déjà ma petite idée de comment le récupérer. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Ensuite, on revient en arrière, tout simplement. Ce qui va nous permettre déjà de récupérer cette chose magnifique. C'est un flacon de pissate. Ah, c'est quelque chose d'or, en plus. Il faut voir ce que je peux faire de ça. On va poser ça là-dedans. Il y a encore un mec que j'ai pas utilisé. Ça. Ça y est, maintenant tu peux accéder aux escaliers. Descends au deuxième étage. Ok, on est donc au deuxième étage. Voilà, on va voir, boss. Tu devrais bientôt arriver à mon fils mort. Continue vers l'ouest. Ah oui, d'accord. C'est des crimes. Ah, regardez le petit CM1. Ah, on affronte les sixièmes. En mode mutant, mais il est tout seul. Jasper, ramène tes fesses. Il y a une photo de néné, mec. Des nénés? Je veux les voir. Où ça? Quoi? Ok, bah y a pas de combat. Le combat était totalement annulé. Ah, y a un vendeur. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Quelle est donc cette supercherie? Ok. On sait jamais, on va peut-être en avoir besoin. D'accord, il constitue une importante quantité de santé. On va l'utiliser, on va en prendre aussi. On sait jamais les gars, on baille, hein. On a de l'argent, on se fait plaisir. Toujours se faire des petits plaisirs, les amis. Ok. Ça, je peux rien faire avec. Ici, on a un petit sac, je prends. Allez, on est reparti. Bon. Bouton panique. Très bien, ça risque d'être compliqué si on appuie dessus. Là, ici, on a un gars. Ok. Putain, c'est bon. Allez, j'ai mis le premier coup et en plus je lui ai mis des goûts. C'est pas du tout ce... Quoi? Allons botter des culs. Vous êtes combien? Non, mon dieu, ils sont énormes. Ah. Petit jeu de mots, allons botter des culs, on apprécie. Hein. Ok. Viens là, Jobert. Ça, ça va, il fait pas trop mal. Pas si dangereux que ça. C'est ma bande de crétins. Ok, ça va, il fait pas trop mal. Donc 88, je récupère 16. Ça va. Ça reste un bon pourcentage. Bon. Très bien, très bien, très bien. Alors vous... Eux, c'est des petits chips, hein. Ils sont vraiment inutiles. Vous avez vu, je suis presque... Après, ils infligent des petits dégâts quand même, mais... C'est pas monstrueux. Ok, ça, ça me paraît être plus... beaucoup plus worth it. On va faire ça. Comme ça. Oh non, derrière! Je déteste les... Heureusement, je me suis mis là. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, les gars, que je me suis mis là, très clairement. Ok. Ah, j'ai pas vu que c'était un coup. Critique, ça fait mal. Mourez, CM1! Non, mais c'est pas vrai. Lâchez-moi, les mecs! J'ai pas mal de problèmes en ce moment. Hein? D'accord, t'as pris un saignement, c'était entièrement gratuit. Juste pour me torcher le cul, CM1. D'accord, bah les gars, je veux bien que vous vous aligniez, y a pas de soucis. Mais par contre, avec votre connerie, bah je peux attaquer personne en fait. Je peux juste attaquer lui. Donc lui, on va le tuer, au moins on est tranquille. Voilà, un sort lamentable mais logique pour les ennemis des portes de la liberté. Ils sont pas très gênants, hein. Je pense qu'on va en rencontrer bien plus d'un. Ah, ça par contre les gars, j'étais pas du tout au courant. J'étais clairement pas au courant et en plus ça m'a totalement one shot. Ça c'est une sale histoire. Vas-y, je pose ça ici, régale-toi moi. Je vais m'écarter si ça te gêne pas. Oh la vache. Oh la vache. Vous les CM1, vous vous croyez intelligent parce que vous allez à l'école? L'école c'est nul. Oh la vache. C'est très beau ça. Pour reprendre les affaires. Bon. Alors là les gars, on va faire ça. Non, on va le mettre lui en glaçon. C'est l'heure du frigo.
en espérant qu'il puisse être en glaçon. Comme ça, on est sûr qu'il attaquera pas. Bordel de merde! Ok, il a congélation normalement, il n'attaquera pas. Lui, bah c'est la merde. Les gars, c'est compliqué votre histoire. Si je fais ça, ça me paraît pas mal. C'est un joli coup de Trafalgar que nous avons là. Ok, on va faire ça. Paraît cool, et dès que j'ai l'outil, je vais pouvoir l'utiliser sur Mysterion. Mais en plus de cela, soigner nos adversaires, nos équipiers, non les adversaires, sinon ça c'est terrible. Allez, hop, tu vomis. Hein. Tu vomis au lieu de raconter ta vie. Toi, tu peux pas jouer. C'est bien dommage. Toi, t'as des saignements parce que t'es sur le côté, c'est bien dommage. Et lui, tout là-bas, on va voir ce qu'il fait. Ah, il peut se déplacer que d'une case. Assez terrible pour lui. Ok, les gars. Les gars, je vois que ça à faire. Ça me paraît pas mal. On est reparti pour un outil des familles. Mais non! Il n'a plus que les voir. Il ne les touchera point. En tout cas, pas cette fois-ci. Ok. Cible acquise. Bah, les gars, j'ai envie de dire, on va très rapidement faire un petit coup de Trafalgar. C'est-à-dire celui-ci. Super tornade. Voilà, ça me paraît cool. Aïe, t'es plus hop, débile que l'école et les parents le réunis. On apprécie. Le temps va tourner. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des choses assez sympas, mais pas dans cette situation actuelle. Et ça, c'est grave. Donc, il ne me sert strictement à rien. À part peut-être... Non, il me sert vraiment à rien. Hop, on va le foutre ici. Et notre ami ici présent, on va clairement mettre ce qu'il mérite. Aïe, j'ai pas aïe, écouté. Ah, par contre, ça va se prendre pour jus. Et ça, c'est cool. Vous êtes vraiment tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, mais en attendant, vous pouvez pas attaquer. Ah, la vache. Franchage, monsieur CM1. En attendant, vous pouvez pas attaquer. Ok. C'est bon. Calmez-vous. Voilà, tu prends ce que tu mérites, frérot. En clair, faut pas être près des générateurs. C'est bon, j'ai réussi à récupérer ma vie. Tout va bien se passer. C'est là. Ok. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose ça. Pas de pitié. Aïe, aïe, aïe. Agresseur neutralisé. Voilà, ça dégage. Un en moins. Ah, ça va, c'est des combats. De sortir son tupperware. Rien de compliqué. Toujours bloqué. On va mettre lui. Super tornade enclenché. Oh. Aïe, aïe, aïe. Repoussement plus choc. Ça va être terrible pour lui. Il a pris ce qu'il méritait. C'est mon tour. Ah, mais là, les gars, putain, je suis toujours bloqué. Oh, la situation compliquée, putain. Ok. Lui, comme ça, il pourra pas attaquer. Oh, le combat, il est plus long qu'autre chose. Hein. Là, il y a rien de compliqué. C'est pas juste. Ok, on va essayer de switch. On va reprendre ça. Comme ça, on a les trois. C'est pas mal. Voilà, avec tout critique. Ils sont bientôt morts. Normalement, ils devraient mourir du saignement. Si je ne m'abuse. Allez, ça gèle. Il est toujours pas mort. Putain, mais il résiste de ouf. Je t'ai emmené à l'école. Ouais, non, c'est bon, je vais laisser attaquer. Je vais à l'école. Ok. Aïe. Aïe. Allez, toi, tu retournes en arrière et tu te prends le choc normalement. Oh, Dieu merci. Ça dégage. Bon. On peut le faire, les gars. On va le faire. Je ne suis pas ton pire cauchemar. J'espère le devenir. On va faire ça. 1, 2, 3. Petit coup critique. On apprécie les gars, c'est gratuit bien évidemment. C'est à croire que tu t'es entraîné. Je ne sais pas quand c'est gratuit. Protéger l'innocent, appliquer la loi. Bah mec, et tu poses ça là et régale-moi. Régale-moi, régale-nous. Deux attaques. Lui il est mort. Lui il est presque mort. Avec choc en plus. Voilà. Et là on a qui? On a qui? Putain, lui il est vraiment tellement inutile quoi. Ah, je peux tuer quand même. Il est un petit peu inutile. Je suis pas fan de. Les conditions météo. De ce personnage, c'est vraiment celui qui m'enjaille le moins, si je peux me permettre l'expression enjaillé. Et c'est terminé pour vous, les gars. Adieu, les 6e mutants. Désolé, les gars. Dans les dents, connard. Pas trop le choix, finalement. Dans les dents, connard. C'est terminé pour eux. Ok, on continue, les mecs. On continue. Mais non, en fait, on va juste s'arrêter là. Je suis en train de regarder. Ça y est, le champ est libre. La centrale devrait se trouver juste derrière cette porte. On va venir te rejoindre. Je vais peut-être pas appuyer sur le bouton panique. Le nouveau, Dieu soit loué. Il faut que tu l'arrêtes, il a perdu la tête. Cartman, espèce de salarat, qu'est-ce que tu mijotes? C'est Connor qui m'a amené ici, homme cerf-volant. Cet enfoiré de fils de pute. La ferme, Goon.
Bientôt, cette ville sera débarrassée de toi et de tous les amis du Coon. On est les potes de la liberté, gros cul. On sait ce que tu manigances, Eric. Tu mets de l'urine de chat dans les médocs et l'alcool pour aliéner les gens. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Ouais, pourquoi, sale petit... Tu veux que je te dise noir sur blanc, Coon? Cette ville est malade. On le sait tous les deux. Il n'y a qu'une fois dans l'année où la ville est comme elle devrait être. À Noël. Alors, j'ai rejoint la chambre de commerce et je m'en suis servi pour mettre mon plan au point. Promouvoir le crime en ville, imputer la faute au maire, se présenter à l'investiture, gagner des tonnes de followers, cloner le nouveau pour faire des mutants génétiques, remporter l'élection, fêter Noël tous les jours. T'en dis quoi? Joli plan, non? Mec, vite, prof! Ok, faut prendre une photo, les gars! C'est presque dommage que personne ne sache jamais que mon plan a fonctionné à merveille! Mec, t'es allé trop loin cette fois! Personne ne te laissera devenir maire! Ah bon? Et quid de tous les followers du nouveau? Ils me suivent jusqu'au dernier, maintenant. La vache, fallait y penser. Eric, je sais que Noël tous les jours paraît top comme ça, mais crois-moi, ça ne l'est pas. Va te faire foutre, professeur Timothy. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une investiture qui m'attend. Non, non, non. Nom de Dieu. Oh, adieu, la centrale. Quel imbécile je suis. Pourquoi avoir mis ce truc sur une trappe à bascule? Et pourquoi pas? J'ai bien peur que quelqu'un doive se frayer un chemin jusqu'au rez-de-chaussée pour y appeler le tram. Bon, très bien. Grouille-toi, le nouveau, faut qu'on sorte d'ici. Ouais, le nouveau, perds pas de temps. Allez, on est parti, appeler le tram au rez-de-chaussée. On va le faire, donc je sais pas si c'est le dernier épisode. Bien trop chaotique, les gars. On verra bien. On va pas crever ici. On va t'en sortir. On y va, les gars, on y va. C'est pas où? C'est pas ici. Bah j'y vais, les mecs. Ah! Ah, mais ça, c'est compliqué, ça, cette histoire aussi. Ok, coup de sableuse, les gars, on va faire disparaître tout ça. Allez, ça dégage. Ça dégage très très vite. Boîte à outils, là. Vas-y, fais-moi régler, frérot. Fais-moi arriver. Allez. A savoir que le mec était quand même dans la pièce d'à côté. Il aurait pu faire l'effort de faire genre, il arrive au moins de la pièce d'à côté, tu vois. Il follow. Ok, bon, bah là, faut juste aller de l'autre côté. Rien de grave. Avant cela, peut-être activer un hamster. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. Mais faut le faire. Ah d'accord, ok, j'ai compris, je crois. Voici venir KO. Allez, je te tiens, mon joli. On remonte en arrière. Et on lâche. Yahoo. Et je pense clairement qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous, mettez un like et partagez si ça vous a plu. A très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures et sûrement la fin. Je dis ça depuis pas mal d'épisodes, mais avec tous les bugs et tout, c'était un petit peu plus compliqué que prévu. A très vite tout le monde, ciao ciao.